rapporté dans l'un de mes livres. Je me suis investi dans la guitare baroque espagnole en venant du flamenco il y a longtemps. Dans l'espoir de jeter un pont entre ces deux espaces et de tracer des lignes dans l'évolution de la guitare. Un fil qui relierait rien moins que Gaspar Sanz et Nino Ricardo. J'y croyais. Plein d'enthousiasme. Tout d'abord sans grand résultat. J'étais bien déçu, il faut bien l'avouer, de ne pas avoir trouvé des liens évidents entre, par exemple, ces variations à l'air espagnol, ainsi que c'est écrit par Gaspar Sanz, et une quelconque tradition populaire espagnole actuelle. Les fameuses jacaras de Santa Cruz, réputées unique témoin écrit d'une tradition flamenca non écrite, ne me satisfaisaient pas totalement. Encore moins avec ces Pasacalles de Guerrao de 1694, pourtant écrit explicitement dans le mode phrygien typique du flamenco. Il restait toujours une grande distance. Cependant, je ressentais un petit quelque chose avec certaines autres pièces, comme par exemple les Pasacalles à quatre temps. Et je me disais, peut-être faudrait-il chercher alors plutôt du côté de la rythmique plutôt que du mode andalou. Cette pièce, par exemple, semblait me donner des pistes avec sa ressemblance troublante avec le tango argentin. Ça ne vous rappelle rien ? Je vais saisir ici le prétexte de ce Pasacalle de 1732 de Santiago de Murcia pour évoquer brièvement le problème, non pas de l'interprétation du baroque espagnol, le sujet serait beaucoup trop vaste, mais de quelques éléments de lecture des musiques anciennes qui peuvent vous être utiles. Ces Pasacalles anciens à quatre temps avaient-ils vraiment disparu à tout jamais ou avaient-ils donné naissance à des formes modernes? Ces questions restaient posées. Dans cette recherche ici, il me faut ouvrir un nouveau chapitre. Les tablatures sont des sténographies à l'écriture volontairement simplifiée et réductrice, bien différente de la réalité musicale vécue dans la vraie vie, l'instrument à la main.
C'est le trop grand respect à la lettre, la soumission aveugle et sourde à la tablature telle qu'elle nous est parvenue, qui est souvent le grand responsable de nos erreurs et de nos déceptions. Surtout si on lit le rythme ancien avec notre solfège moderne si rigide. En effet, les musiques sont souvent écrites égales dans les partitions originales. Elles doivent être réinterprétées avec un solfège différent d'une autre, notamment sur le plan des inégalités. Il faudra donc réapprendre le solfège rythmique ancien. Tomás de Santa María est le premier à tenter de décrire en toute note cette lecture rythmique avec trois exemples différents d'interprétation. Premier exemple, l'inégalité ordinaire. Comme si la première note était une croche pointée et la seconde une double croche. Deuxième exemple, l'inégalité inverse, comme si la première note était une double croche et la seconde une croche pointée. Et il nous dit, notez que cette manière a beaucoup plus d'allure que la précédente. Troisième exemple, inégalité par 4. On allonge la croche signalée par un point et on raccourcit les trois croches suivantes. Cette troisième manière, nous dit-il, est la meilleure de toutes. Cependant, la question reste posée. Suffit-il alors de se contenter d'appliquer brutalement ces exemples de ces rythmes? Là encore, à la lettre. Non, car si on lit bien le texte de Santa María, il a le mérite de prouver qu'on ne devait pas jouer les valeurs exactement comme il les montre dans les exemples d'interprétation. Et il nous le dit lui-même, je cite, « Je vous informe que les inégalités dans ces valeurs ne doivent pas être trop grandes, mais seulement de la quantité voulue, et qu'on ne les fasse entendre qu'un peu, car s'arrêter trop sur une note cause désagrément et laideur dans la musique. Et pour cette raison, les trois croches ne doivent pas être jouées trop vite, mais avec modération, conformément à la valeur donnée à la première croche. Conformément à la valeur donnée à la première croche. Il faut donc respecter avant tout la pulsation et ne pas allonger ou raccourcir le temps ni la mesure. Cependant, la situation rythmique est complexe. L'auteur ne peut écrire aucun rythme avec exactitude. Et en tout cas, il tente de modérer les ardeurs des interprètes dans les excès de ce qu'on appellerait, nous, le rubato. Santa María ne s'intéressait pas beaucoup à ce que nous appelons l'interprétation. Il n'y consacre que 2 ou 3 pages sur un traité de 248 pages, entièrement voué à la théorie et à la composition. Il s'intéressait peu aux solistes et encore moins aux guitaristes.
mais ceci le lui rendait bien. Les mains audacieuses et désinvoltes des guitaristes anciens n'obéissaient à aucune règle écrite, et surtout pas la sienne. Le fait même que Santamaría doive prendre sa plume pour critiquer certains excès prouve que c'était une pratique plus courante qu'on ne le croit. N'a-t-on pas proclamé en 1676 que la guitare a un caractère cavalier et dégagé qui lui est particulier? En artiste libre, les guitaristes espagnols anciens ou flamenquistes aujourd'hui ne voulaient que plaire, notamment en surenchérissant comme toujours sur les collègues et les rivaux. Si tu fais une campanelle, j'en ferai une plus brillante. Si tu fais un rasgueado fougueux, j'en ferai un avec un rythme encore plus échevelé, etc. Et ne jamais oublier qu'en ce siècle de rhétorique, l'idéal de l'instrument est de faire en sorte qu'il semble parler, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la parole, de ses inflexions, de son rythme, de son débit, soumis à l'émotion de celui qui prononce le discours. Il conviendrait donc de partir des exemples que donnent les auteurs comme Santamaría et d'autres, s'en imprégner, puis laisser courir son imagination et son intuition, comme on le fait d'ailleurs avec toute musique, ancienne ou non. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne jouait jamais comme c'est écrit, surtout dans les tablatures. À ce propos, un manuscrit du début du XVIIIe siècle est très parlant. Il nous donne deux écritures différentes pour la même pièce, en version ordinaire et en tablature, tablature dans laquelle on voit la simplification extraordinaire des inégalités. Toutes les croches sont écrites égales dans la tablature et toutes les croches sont écrites inégales dans la version en notation ordinaire. Avec une telle vision de la réalité baroque, de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir à nous. Voici tout d'abord ce que donnerait une lecture littérale, à la lettre donc, d'une variation du passacaglié qui nous intéresse ici. Puis voici maintenant la même variation, une version interprétée, où j'ai essayé d'utiliser les pistes données par Santamaría et d'autres auteurs comme Correa de Araujo par exemple, et de combiner les libertés rythmiques qu'ils décrivent tout en respectant le plus possible la lettre et surtout les doigtés de l'auteur. Qu'il serait très difficile de noter exactement les perturbations rythmiques apportées au texte. Et c'est même pour cela que les anciens se contentaient d'une tablature simplifiée qui ne fonctionnait en réalité que comme un aide-mémoire. Je vais néanmoins tenter de le faire dans un but de comparaison avec le texte écrit. «
La pièce de 1732 qui fait l'objet de cette masterclass est le dernier passacaglié espagnol à quatre temps. Après cette date, l'Espagne se tournera vers le fandango ou la jota, puis le flamenco gitan. Après avoir travaillé sur le problème de l'interprétation rythmique, je voudrais maintenant aborder le texte sous l'angle de la construction. Là encore, il s'agira de rester fidèle à l'esprit plutôt qu'à la lettre. Cette liberté doit cependant être restreinte, surtout ne pas tomber dans l'anachronisme. Pour cette construction personnelle, j'ai fait un tri dans les meilleures variations publiées par Murcia. Cette pratique de collecter des variations au choix de l'interprète peut choquer aujourd'hui. Elle était courante dans les pratiques anciennes et se prête bien aux formes à variation telles que les passacailles. Santiago de Murcia était un proche de Francisco Guerao, et je le cite, « persuadé qu'il n'y a pas un seul amateur qui aura manqué de voir le livre si exceptionnel que Don Francisco Guerao a publié de pièces espagnoles et de merveilleux passacalles. » Je n'ai donc pas hésité à coller des variations de celui-ci dans le passacaglie du premier, puisque Murcia lui-même en faisait grand éloge, et je pense qu'il n'aurait pas hésité non plus à rendre ainsi hommage à son aîné en lui prenant des variations. Et ceci est tout à fait la même chose que les guitaristes du flamenco du siècle dernier, qui empruntaient les falsetas de leurs aînés, ont joué ainsi de la guitare flamenca, par exemple, pour Melchor de Marchena, ou pour Perico de Lunar, ou pour Nino Ricardo. Un mot sur la musique française maintenant. La musique française, en général, nous donne des œuvres d'une composition plus structurée, je dirais peut-être plus aboutie, cela par les auteurs eux-mêmes. Et ce genre de reconstruction paraîtrait plus difficile. Néanmoins, je repense à cette pratique de coller les auteurs ensemble chez les luthistes anglais, comme par exemple chez Mary Burwell. Et je la cite, si vous ne savez pas faire des préludes, il faut apprendre beaucoup de préludes d'autres personnes. Et ensuite, quand vous jouez devant des gens, prendre un bout dans un prélude, un bout dans un autre, pour que le public ait l'impression que vous improvisez votre propre prélude. Et ceci sans oublier le goût du secret chez les auteurs anciens. Car on lit chez la même Mary Burwell, je la cite également, le maître n'écrivant jamais la leçon avec toutes les indications d'exécution, pour qu'il puisse communiquer de bouche à oreille un jour un détail, le lendemain un autre, que l'élève écrira sur son livre pour pouvoir parfaire des règles et des préceptes sûrs. Car si le maître livrait ce secret ou écrivait tout sur le livre, l'élève pourrait apprendre n'importe quelle leçon par lui-même. Thank you.